Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour et bienvenue parmi nous pour cette nouvelle vidéo de présentation avec Glisshop.com. Je me présente, Jérémy, conseiller ski, et je vais vous présenter aujourd'hui la gamme Experience, donc la gamme All Mountain de chez Rossignol. Nous allons donc commencer par les deux modèles qui composent l'entrée de cette gamme, l'Experience 75X, l'Experience 77 Carbone. Deux skis vraiment similaires, à la même construction en cap, avec les mêmes rockers en spatule et au talon, 20% en spatule, 10% en talon, donc des skis très très faciles à faire tourner. Cependant, on reste quand même sur des modèles très légers. Ce sont des skis all mountain, plutôt orientés piste quand même que hors piste. La différence entre les deux modèles va essentiellement se trouver dans le renfort carbone que nous trouvons ici dans le 77, qui va apporter un petit peu plus de rigidité et un petit peu plus d'accroche. Ces deux skis s'adressent à des skieurs débutants à confirmer. Continuons maintenant avec l'Experience 80XE. On s'adresse là maintenant à un skieur plutôt confirmé. 80 mm au patin, toujours le double rocker, un ski un tout petit peu plus lourd, mais surtout la principale différence se trouve ici, avec le champ droit sous le pied pour un maximum d'accroche. On a également un noyau bois Polonia, donc un noyau plutôt allégé, avec des renforts fibres, qui le rendent vraiment très souple. Mais par contre, attention, c'est un ski qui reste encore trop léger pour vraiment faire de la grande vitesse. Nous allons maintenant poursuivre avec les trois modèles qui s'adressent plutôt à des skieurs confirmés à experts. Nous sommes là sur des skis déjà un petit peu plus toniques, un petit peu plus lourds, avec un petit peu plus de renfort. L'Experience 84 Carbone, qui contient un renfort carbone pour gagner un petit peu de rigidité et un petit peu de tonicité, va être cette fois-ci par contre muni d'un champ droit sur l'intégralité du ski. C'est un ski, encore une fois, je vous le dis, plus lourd, qui va être par contre beaucoup plus sécurisant puisqu'il sera beaucoup plus stable à vitesse plus élevée, voire à grande vitesse. Et avec ses 84 mm au patin, ce ski va commencer à nous permettre d'explorer correctement tout ce qui est neige fraîche, bord de piste, voire même un petit peu plus loin. A noter également que la spatule R-Type permet de gagner en légèreté. Par contre, elle ne fait pas perdre en précision pour les entrées de virage. C'est quand même très très agréable et très confortable. Passons maintenant à l'Experience 88 Basalt. Basalt, puisqu'il y a un renfort basalt qui permet de gagner dans l'amorti, qui permet d'avoir un ski encore plus confortable. Nous sommes maintenant sur le premier vrai 50-50 de la gamme, puisque ces 88 mm au patin permettent vraiment d'avoir une belle portance, permettent vraiment de sortir et d'avoir quelque chose qui reste au-dessus de la neige. Ça, plus le double rocker, encore une fois, les 20% en spatule et 10% au talon, permettent vraiment d'avoir un ski joueur en neige fraîche. Plus ou moins profonde quand même. On est là sur un ski qui s'adresse à des skieurs déjà plus confirmés. C'est plus lourd au pied, c'est par contre beaucoup plus stable. Le champ droit sur l'intégralité du ski permet vraiment d'avoir une belle accroche sur des neiges dures comme sur des neiges très fraîches. C'est vraiment un très joli jouet, mais c'est quelque chose qui va commencer à être déjà plus exigeant. Et nous allons terminer avec le top de la gamme, l'Experience 100 Ti. Là, on s'adresse à un skieur expert. On est maintenant sur un vrai 60% de poudre. 100 mm au patin, un renfort titanal, un noyau bois plus fibre métal. On a quelque chose qui est vraiment, par contre, maintenant tonique, sécurisant puisque très stable et qui permet vraiment de tracer de la grande courbe, que ce soit sur une neige très travaillée ou une neige très très fraîche. Énormément de portance, toujours le double rocker, la même construction que sur les autres, mais un produit déjà beaucoup plus tonique qui va s'adresser, encore une fois, à quelqu'un qui recherche la performance ou un ski confortable, mais on est quand même sur quelque chose de relativement exigeant. En conclusion, cette nouvelle gamme All Mountain de chez Rossignol, la gamme Experience, qui n'est ni plus ni moins que l'équivalent homme de la gamme Tentation chez les femmes, nous retrouvons les mêmes technologies, à savoir les spatules R-Type, permet d'alléger un petit peu la spatule sans perdre en précision et en confort dans les entrées de virage. Les principales différences, par contre, on va les trouver au niveau des fixations. Les trois premiers modèles sont fournis avec des fixations que l'on appelle Xelium, qui sont des fixations relativement légères et qui permettent d'avoir un ski, encore une fois, très tendre en torsion et en flexion. Par contre, les deux modèles du milieu de gamme sont fournis avec des plaques TPX. Nous avons un renfort métallique sous la butée et sous la talonnière qui permet d'avoir un petit peu plus de rigidité en torsion et d'avoir un produit qui sera plus réactif. Enfin, le dernier ski, vendu nu, à vous de choisir la fixation qui vous semblera le plus adapté avec ce modèle. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47, soit par mail sur ski@glisshop.com ou sur jeremym@glisshop.com. Je vous remercie. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.